ça va être un petit clin d'œil à ces cantons vieux, une petite ébauche, j'ai envie de dire un jeune fruit qui ne demande qu'à mûrir. Et donc on a pris beaucoup de plaisir quand même, mais ce n'est qu'une improvisation, je dis bien fort pour les rassurer, c'est qu'une improvisation à peine que j'ai cadrée, mais qui est toujours sous la forme d'une improvisation, parce qu'on a très très peu répété. Voilà. Puis il y a une deuxième partie où c'est plus des récits avec les papiers. Voilà, ils sont mis en belle envol d'oiseaux, donc c'est parfait. Ça va être peut-être aussi une séance ouverte, si je vois qu'il y a des petits soucis, je me permettrai d'intervenir. Si vraiment ils sortent de la salle, ils s'en vont, si voilà, si se passe des choses catastrophiques, si j'en perds un en route, je me permets d'intervenir. Mais c'est quand on est vieux? Quand on te dit, mais sois jeune et tais-toi. Quand on te dit, sois jeune et tais-toi. Mais c'est quand on est vieux? Mais c'est quand on est vieux? Le plus tard possible. Le plus tard possible. Mais c'est quand qu'on est vieux? C'est quand on est vieux? Je te le dirai quand j'y serai. Mais c'est quand qu'on est vieux? Excuse-moi, je ne vois pas de quoi tu parles. Demande à ton voisin. Ouais, c'est pas parce qu'on a des potes âgés qu'il faut leur raconter des salades. Ni nous prendre pour des cornichons. Mais c'est quand qu'on est vieux, alors? Qui tu dis? Moi, j'ai vu le soleil avant qu'il soit dangereux. Bah, dis donc, tu pourrais être vieille. Nous sommes les benjamins des butons. Que tu dis, toi? Tu dis qu'on est des jeunes avec des butons. Il n'y a pas d'âge pour être vieux. Non, mais d'abord, je ne suis pas vieux. Je suis vintage. Moi, petit, tout est puissant.
quand t'es sorti du bois, mais t'as sûrement vu le loup. Arrête. Bon. Je suis pas vieux, je suis pas vieux. Non, je fais ce que je veux. Ouais. Il est pas les plus vieux, tant mieux. Si je fais des gens vieux, tant mieux. Non, je ne serai jamais mieux. Je fais ce que je veux. Oui. Mais si tu avales partout, c'est que tu es un tamalou. Ça se passera. Au bon là. Allez, parle-nous. Mais c'est quand qu'on est vieux? C'est quand qu'on est vieux? Il est 5 heures, Paris s'éveille, et je n'ai pas sommeil. Il est 5 heures, Paris s'éveille, et je n'ai pas sommeil. Il est 5 heures, Paris s'éveille, et je n'ai plus sommeil. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Mais c'est quand qu'on est vieux? Et pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver? Alors, c'est quand on est vieux? Oh. Ah, l'amitié, l'amour, la joie, on a fêté notre travail, c'est encore une dernière fois, à l'amitié, l'amour. Pour vous dire à quel point la vieillesse est dans le regard des autres, figurez-vous que l'an dernier, quand il a été décidé de fermer la maternité... Et on voulait rentrer dans le bâtiment, on voulait rentrer absolument, mais il y avait tout un cordon de gendarmes. On s'est demandé bien plus nombreux quand on a forcé. On a poussé. Puis arrivé en haut, il y a un gendarme qui m'a regardé et qui m'a dit: Madame, descendez, laissez faire les jeunes. Jeunes et vieux, on mélange tout le monde. La vieillesse, c'est quand on commence à blanchir. La preuve, je suis blanc, quoi. Quoi? Il est blanc, quoi. Ah, après, je vais vous raconter une histoire, c'est donc l'histoire d'une centenaire. Et alors, cette centenaire, elle était tellement arrêtée, vive et alerte et tout ça. Bon, et puis donc, alors elle fait les 400 coups, certainement dans sa jeunesse et tout le reste. Bon, à 80 ans, elle décide
de sauter en élastique sur une cascade d'eau. À 90 ans, elle saute en parachute en danger. Et à 100 ans, elle a osé monter sur une chaise pour accrocher la vie. Et alors, à ce moment-là, elle était en train de lâcher son rideau tranquillement et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui rentre. Oh mais maman, mais tu te rends compte à ton âge? Pourquoi? Mais tu te rends compte? Je dis, mais je suis trop vieille, moi. Je suis trop vieille. Et puis elle regarde son fiston, je lui dis, il n'a que 80 ans et c'est lui le plus vieux. C'est moi. En se levant le matin, rappelle-toi combien est précieux le privilège de vivre, de respirer et d'être heureux. J'avais 40 ans à l'époque, et c'était par un bel après-midi, je me promenais sur la Canebière. Quand j'ai été interpellée, je me retourne interpellée, mais quand même un peu olé olé. Je me retourne et je vois un jeune à la portière d'une voiture, et puis il me regarde sidéré, il me fait oh, « Excusez-moi, j'ai cru que c'était une jeune. Oh. » Authentique. Moi, j'étais seule depuis une dizaine d'années et je pensais que la vie de couple s'était terminée, plus rien à faire, fini, quoi. Et en fait, eh ben, je suis ravie, cet été, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Oh. Eh oui, les années rident la peau, mais pas l'âme. Ouais. Ce dont il faut se souvenir, surtout, c'est qu'on a toute la vie devant soi. Ah mais attends, surtout ne te retourne jamais, sinon tu l'aurais gagné. Oui, mais sans passé, moins d'avenir. Elle n'était pas toute jeune, elle avait 90 ans. Oh, oh là là, mais c'était super. Mais moi, j'en ai 84 et je suis là. Dès le matin, j'ai regardé. J'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu passer des enfants. Une heure après, c'était des gens. Une heure après, des vieillards tremblants. Comme ils vieillissaient vite, pensais-je. Et moi, qui rajeunis à chaque instant. Sans se consumer, se pose nos mains sur l'épaule du temps. Se lève sur son visage le jour, les souvenirs. Essaim de papillons, malgré les rides importunes avec nos rires d'antan, pour tout bagage. Dans la mémoire rebelle, l'on voyage, nos voix aussi. Sont les mêmes, l'aridité de l'âge ne les a pas taries. Elles coulent toujours, dans cette oasis de l'amitié, où vieillir est un mirage. Moi, à mon avis, on commence à vieillir quand la petite souris, au lieu de vous laisser une petite pièce sourire, elle vous met un devis pour aller chez le dentiste. La vieillesse n'est pas seulement un fait biologique, mais un fait culturel. Le statut de vieillard n'est jamais acquis par lui, il lui est octroyé. La vieillesse est particulièrement difficile à assumer parce que nous l'avions toujours considérée comme une espèce étrangère. Suis-je donc une autre alors que je demeure moi-même ? Ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand l'amour nous fait signe, suivons-le. Ouais, t'as raison, quoi. Alors, je vieillis, mais je suis toujours la même personne, n'est-ce pas ?
Tu vieillis, mais tu es toujours la même personne. Il vieillit, mais il est toujours la même personne. Elle vieillit, mais elle est toujours la même personne. Nous vieillissons, mais nous sommes toujours la même personne. Vous vieillissez, mais vous êtes toujours les mêmes personnes. Ils vieillissent, mais ils sont toujours les mêmes personnes. Je vieillis, mais je suis toujours la même personne. Tu vieillis, mais tu es toujours la même personne. Il vieillit, mais il est toujours la même personne. Nous vieillissons, mais nous sommes toujours les mêmes personnes. Vous vieillissez, mais vous êtes toujours les mêmes personnes.